Du 14 au 22 août 2010, en baie de Quiberon, a eu lieu le championnat du monde micro sous l'égide de la Fédération internationale de voile et de la Fédération française de voile, organisé par la Société des régates de Saint-Pierre-Quiberon, en collaboration avec Microclass France et l'École nationale de voile et des sports nautiques. La classe micro comporte trois catégories, proto, régate et croiseur. Le micro est un bateau de 5,50 m de longueur, 2,45 m de large maximum et 1,10 m de tirant d'eau. La 34e édition a battu les records d'affluence. En effet, 10 nations étaient représentées. L'Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Kazakhstan, la Lettonie, la Pologne, la Russie et la Serbie. C'est ainsi 70 équipages de 3 coureurs qui se sont affrontés durant 4 jours pour décrocher le titre suprême. Dimanche ont été courus. 2 équipages parfaitement entraînés sur d'excellents bateaux ont animé pendant 4 jours ce championnat. Andrew Bill, Russie, sur Proto Monte Cristo, champion du monde 2009, est sacré champion du monde de la classe micro 2010. Piotr Tarnacki, Pologne, sur Proto Toyota Cliff, quadruple champion du monde, finit second à 1 point. La 3e place du podium est prise par Maxim Kuzmin, Russie, sur Proto Spartak, à 1 point du Proto Artemis, skippé par Renan Robert, Pays-Bas. La catégorie régate est remportée par le français Nicolas Garnier sur un bateau de série Neptune 550, Micromood, qui depuis le début du championnat surprend par sa vitesse et sa maîtrise du plan d'eau. Au final, aux places d'honneur, on trouve la Russie, la Pologne et la France, sans oublier les Pays-Bas, la Belgique, qui sans être sur le podium ont fait une belle prestation. Le 35e championnat du monde aura lieu en 2011 en Lettonie.